mains de ceux qui seront présents demain soir. Très bien, chers parents, compte sur vous, amenez vos enfants, ils ont besoin d'entendre ce message contemporain, ce message de notre temps. Amen. Merci. 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 Sábado. Et rendez-vous demain soir. Bon sabbat. Bon sabbat. Est-il vrai que je suis à ton image? Ai-je encore part à ton héritage? Je voudrais tant te ressembler, Seigneur. Sonde-moi, Jésus. Est-il vrai que tu peux tout changer, m'aimer au-delà de tous mes péchés? Je voudrais tant te ressembler, Seigneur Jésus. Ton image, ai-je encore part à ton héritage? Je voudrais tant te ressembler, Seigneur. Sonde-moi, Jésus. Est-il vrai que tu peux tout changer? Tu ne cesseras de m'aimer.
Merci à Marie-Laure de la Guadeloupe pour cette parenthèse musicale qui nous fait le plus grand bien ici au stade de Salem. Deuxième rencontre de la journée après celle de notre premier invité Abel Marquez. Rendez-vous demain, n'oublions pas. On veut recevoir maintenant. Nous allons recevoir donc maintenant le pasteur Caballo. Pasteur Benjamin Carballo, responsable donc de la jeunesse au sein de la division interaméricaine. J'espère que vous vous êtes approprié ces expressions tout au long de cette semaine. Donc la division interaméricaine, si on a le temps aujourd'hui, on vous citera les 32 pays de cette division. Pasteur Carballo, bonjour, bonjour et bon sabbat. Bonjour et bon sabbat. Oh, alléluia, wow, en quelques jours. En quelques jours, il se débrouille déjà très bien. Pasteur Carballo, on veut ce matin parler Guatemala. OK, le programme à partir du 29 juillet, du 29 juillet au 2 août, je crois. Guatemala es el siguiente punto de encuentro para la juventud de Interamérica. Le Guatemala, c'est le prochain point de rencontre pour la jeunesse dans la division interaméricaine. Très bien. El encuentro anterior fue en México, en el Camporí Interamericano. Et la rencontre d'avant, c'était au Camporé, au Mexique. Donde estuvieron más de 20 000 conquistadores y guías mayores. Et donc, où il y avait plus de 20 000 conquistadors. Wow. Me dio tanta alegría volver a ver a Daniela aquí y saber que ella se bautizó en México hace 3 años. Et je suis très contente de voir Daniela ici et je sais qu'elle s'est fait baptiser au Mexique il y a 3 ans. Y nos dará mucha alegría que jóvenes de la Guyana Francesa, como de Guadalupe y Martinica, estén presentes también en el Congreso de Jóvenes Interamericano en Guatemala. Et nous sommes très heureux de savoir que des jeunes de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe seront présent au congrès de la jeunesse au Guatemala. Sabemos que el camino no es sencillo para llegar allá. Nous savons que le chemin n'est pas simple pour y arriver. Hay que ir por tierra a Suriname. Il faut passer par le Suriname. De allí hacia Panamá. Par là, ensuite on va au Panama. Panamá, Guatemala. Et de Panama. Y no es barato. Et en fait, c'est pas du tout bon marché. Pero para los jóvenes. Mais pour les jeunes. De la generación poderosa. De la génération puissante. Todo les es posible en el poder de Dios. Tout Amen. Peut être Alleluia. Possible dans la puissance de Dieu. Amen. Queremos que más jóvenes se animen. Et nous voulons qu'il y ait plus de Trabajen jeunes fuerte. Qui prennent courage Queremos et qui travaillent ardemment. Queremos verles en Guatemala. Nous voulons vous voir au Guatemala. Habrá 10 000 jóvenes reunidos allí. Il y aura 10 000 jeunes. De los 36 países que tenemos en Interamérica. Des 36 pays que nous avons dans la division interaméricaine. Ya tenemos la información. Yo he visto el póster afuera donde están los invitados. Et donc, on va vous inviter. Tenemos un programa maravilloso. Nous avons un programme merveilleux. Bajo el eslogan Abraza a Guatemala. Et le slogan, c'est Embrasser le Guatemala. Proyectos en la comunidad. Le projet de communauté. Impactos en toda la ciudad. Et on va faire des entrenamiento para des nuestros líderes. Dans toute la ville. Conciertos. Des concerts. E inspiración a través de los mensajes. Et on aura des messages informes. Qui vont nous inspirer, des informations. Desfiles por la ciudad. Des explorations dans la ville, etc. Wow. Muchas cosas. Beaucoup de choses. Todo bendición. Que des bénédictions. Para nuestros jóvenes de Interamérica. Les esperamos ver allí. Nous espérons vous voir là-bas. Y si usted ya está más que joven, si usted ya no es joven, si vous n'êtes plus jeune, envía a sus hijos, envía a sus jóvenes. Envoyez vos fils et vos filles. Vamos. Allons-y. Queremos jóvenes alors, allá. Justement, vous nous disiez tout à l'heure que rien n'est impossible à celui qui croit, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà, que si nous avons la foi. Voilà. Nada es imposible. Eh bien, justement, Alex et moi, on se demandait s'il était possible que nous puissions une petite place dans votre valise lorsque vous irez au Guatemala. Sí. Es posible. Ellos tienen un lugar Amen, en Guatemala. Aleluya. Oui, il y a un lieu au Guatemala. Y ustedes lo saben. Et vous le savez. En verdad queremos que ustedes nos ayuden allí. Et en fait, nous voulons que vous nous aidions. Ok, sans problème. En tout cas, le rendez-vous. Y también queremos llevar al equipo de música de alabanza. Eh ben oui, l'équipe de musique aussi peut venir. Y el pianista. Le pianiste aussi. Bien. Wow. Y producción. La producción. Rien wow. n'est impossible. Mucho, mucho talento. Mm. Beaucoup de talent. Dones espirituales que tienen los jóvenes en French Guiana. Les jeunes de la Guyane ont beaucoup de talent. Avant de terminer, est-ce qu'il peut juste donner un ou deux intervenants qu'il y aura au Guatemala, deux invités
qui vont participer, un ou deux. Sí, nuestros invitados estará el pastor Gilbert Kanji, nuestro director mundial de jóvenes. Alors nous aurons notre directeur mondial de la jeunesse, pastor Kanji. Gilbert Kanji. Kanji. Algunos ya le conocieron en. Certains le connaissent déjà. En Guadalupe. Oui. En Guadalupe. También estará el pastor José Vicente Rojas. Oh, ok. Le pasteur Rojas, qui était présent en fait à Jaspe 2 en Guadeloupe l'année dernière. Très pastor bien. Samuel Reyes. Il y aura le pasteur Samuel Reyes. Él trabaja en la Florida. Il travaille en Floride. Tenemos predicadores de primer nivel. Et nous avons des prédicateurs de première classe. Y aproximadamente 20 presentadores de diferentes seminarios y talleres. Et nous avons à peu près 20 présentateurs qui vont tenir des ateliers et des séminaires. Tendremos también disponibles en francés. Et il y aura aussi le français. On rappelle les dates juste avant de terminer. La fecha es 29 de julio al 2 de agosto. Alors, les dates sont le 29 juillet au 2 août. Pero deben llegar desde el 27 para hacer un poco de turismo y conocer Guatemala. Et donc, vous pouvez arriver, si vous voulez, le 27 pour faire un petit peu de tourisme. Lleven ropa para el frío, porque las Guatemala. Mañanas y las tardes son frescas en Guatemala. Et donc, il faut prendre des vêtements chauds, parce que le matin et le soir, il fait frais au Guatemala. Si alguno estuvo en México, en el Camporí, es un poco menos frío. Et donc, si certains d'entre vous étaient au Camporé à Mexico, eh bien, il fait un petit peu moins froid. Pasteur Carvalho, est-ce que, malheureusement, on va quand même penser à ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, est-ce que ça sera visible via l'outil Internet? Sí, vamos a tener el congreso web, congreso por Internet. Et donc, nous aurons aussi ce congrès par l'Internet. Sur le web. Queremos que en este congreso tengamos 5 o 6 veces más personas que físicamente los que irán a Guatemala. Et donc nous aurons 5 ou 6 personnes qui seront physiquement là par rapport au Guatemala. Vamos a transmitir en las mañanas los talleres y también por los programas de la noche. Et donc nous allons transmettre les ateliers du matin et aussi les programmes du soir. Nos pueden seguir por webcast.interamerica.org. Et donc vous pourrez nous suivre par webcast.interamerica.org. Voilà, donc tout est fait pour que chacun puisse avoir sa part au Guatemala, même si on ne sera pas tous dans notre valise. Je pense que vous avez voilà, peut-être un nombre de kilos requis. Et donc, rien qu'en mettant Alex, ça va être un peu difficile pour le reste. Yeah. Donc, je crois que malgré tout, nous aurons chacun la possibilité de participer à ce programme. Me pregunto si caben en mis maletas. Il me demande s'ils peuvent rentrer dans ma valise. Yo creo que sí. Oh, je crois que oui. Amen. Estamos en la misma estatura. On est de la même taille. Próximo fin de semana, yo estaré en Guatemala. Et donc, la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, je serai au Guatemala. Pues estamos trabajando fuertemente en la preparación del congreso. Parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour travailler à la préparation du congrès. Yo quiero llevar los saludos de ustedes. Et donc, je vais les saluer de votre part. Yes. A nuestros jóvenes y hermanos de Guatemala. À nos sœurs et frères du Guatemala. Pero del 29 de julio al 2 de agosto. Du 29 juillet au 2 août. Quiero que ustedes saluden a los jóvenes de Guatemala personalmente. Je veux que vous veniez personnellement saluer la jeunesse du Guatemala. Allí les queremos ver. Et je veux vous voir là-bas. Amen. Le rendez-vous est pris. Merci à pasteur Carvalho. Merci beaucoup. Et on espère qu'on vous entendra chanter aujourd'hui ou peut-être demain soir, OK? Yeah. Très bien, merci. Yeah. Vos applaudissements pour les efforts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci. Pour les efforts de la division interaméricaine. Encore une deuxième parenthèse musicale. Il me semble bien maintenant que ça sera la voix de notre représentante de la Martinique. D'abord la vidéo. Ah, très bien. Its name comes from Nahuatl. Quelques petites images sur le Guatemala. C'est le Guatemala. Voilà, pour vous donner With envie. More than 1,000 square kilometers, it boasts a wide variety of climates, product of its mountainous terrain. Modern and cosmopolitan, with more than 4 million inhabitants, today it is the most populous and extensive urban agglomeration in Central America. Guatemala City,
Here, the volcanic landscape combines perfectly with its modern buildings and historical monuments. Voilà, c'était une présentation un peu touristique de ce très beau pays. La présentation était en anglais, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout écouter pour vous traduire. Je pensais qu'Azaël l'aurait fait à ma place, mais... J'aurais pu, mais je n'entendais pas très bien. Et puis les images parlent d'elles-mêmes, je pense. Très bien. En tout cas, pour l'instant, on va mettre tout le monde à l'aise avec la prestation du groupe... Étincelle, qui nous vient de... De Kourou. De la ville spatiale de Kourou. Ils vont nous chanter un titre en créole. Voilà, ils vont nous unir dans cette même langue. Pause pour la photo, Azaël. Gracias. On se retrouve dans quelques instants. Levez pour aller, levez pour l'âge de bon Dieu. En nous parez-nous, en nous pressez-nous. C'est la grand ouvert pour nous. Levez, levez. Jutokakoui, levez les akabini. Pour Seigneur Jésus, qui balou la vie. Vite chercher pitié. Tous les jours, la vie vient avec plaie à pêcher. Nous pas songer pour nous parler l'éternité. Non, non, qui est-ce pour cabaler la vie pour arriver? Qui vous dit pas tout et que chez les yamans? Levez pour aller, levez pour la jeune bonté. En nous parler, nous, en nous presser, nous. C'est la grand ouvert pour nous. Je suis au cacou, il est. Jésus, qui va nous la vie, vite chercher petit Lio. Dis-moi que ton pour Paris a failli. Nous pas songer pour nous parler l'éternité, non, non. Qui est-ce pour qu'à parler l'air, il va arriver. Qui vous qui pracou, il caché derrière mon yo. Tous les jours, nous vivions la vie plaie à pécher. Nous pas songer pour nous parler l'éternité, non, non. Mm-hmm. Qui est-ce pour qu'à parler l'air, il va arriver. Qui boule qui bracou et caché derrière mon yo. Levé pour n'aller, pour nager le bon Dieu. En nous parer nous, en nous presser nous. Levé pour n'aller, levé pour chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers publics, bienvenue dans votre émission 37 minutes au cœur du sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Notre thème, gagner à tout prix, oui, mais à quel prix? J'aimerais que vous regardiez ce qu'il y aura à l'écran et que vous trouviez le point commun entre tous ces sportifs. Alors, je vous donne déjà quelques noms.
Lance Armstrong, Marion Jones, Justine Gatlin, Martina Hingis, Alberto Contador. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans le public qui pourrait me donner le point commun entre tous ces sportifs? Wow! Je vois qu'il y a des experts dans la classe. Dans le public, pardon. Oui. Le dopage est un fléau. Les sportifs ne se battent plus pour ce qu'ils veulent. Ils utilisent des produits dopants. Pour parler de ce sujet, je vous demande d'accueillir Monsieur Clarky. Applaudissons-le. Bonjour. Bonjour. Alors, asseyons-nous. Alors, vous êtes un chrétien sportif de haut niveau. Vous avez des principes et des valeurs morales. Comment êtes-vous arrivé à cette situation? Comment franchit-on le cap et décide-t-on de se doper? Alors, c'est tout un processus en réalité. En fait, on ne commence pas à faire du sport et on se dope directement. Non. Au départ, on prend du plaisir, on fait du sport, on commence à viser certains objectifs. Un premier objectif qui va être local, ensuite on monte à un niveau national, ensuite on commence à vraiment viser des objectifs internationaux, les Jeux Olympiques, les grandes manifestations internationales, et puis à un moment donné, on se rend compte que malgré tous les efforts qu'on fait, malgré tous les sacrifices que l'on s'impose, ben, il faut quand même passer à autre chose, parce qu'on ne reste pas au top du niveau pendant très longtemps, et il y en a qui montent, il y a des plus jeunes, et en fait c'est tout un engrenage qui commence à s'enclencher, parce qu'il y a des coachs sportifs qui sont là, qui nous accompagnent, et au bout d'un moment, on nous propose ben, l'inévitable, et on s'y prête au jeu, parce qu'on a envie d'aller à cet objectif, et en fait c'est une question d'objectif avant tout, parce qu'au départ, on a des petits objectifs qui grandissent, mm-hmm. et on se rend compte, finalement, que notre vie devient l'objectif qu'on se fixe. Alors, attendez, monsieur Clarky, vous êtes en train de me dire que votre coach sportif vous a entraîné dans le dopage, c'est pas ça? Absolument, on ne choisit pas naturellement. Alors, okay. Bien souvent, on pointe du doigt tous ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, mais il y a tout un staff technique qui va nous encourager, des masseurs, des kinés, qui vont nous proposer certaines substances qui vont nous rendre un peu plus efficaces que ce qu'on est naturellement. D'accord. Alors, vous avez donc décidé de vous doper, vous avez participé à cette fameuse course, vous êtes sorti victorieux de cette course. Alors, quel goût avait la victoire? En sachant que vous aviez triché, alors, est-ce que c'était une victoire? Qu'en pensez-vous, cher public? Est-ce que c'était une vraie victoire? Non. Enfin, comment vous vous sentiez-vous? Enfin, je ne sais pas, moi, je me pose la question. Bizarrement, on ne se sent pas si mal que ça. Ah bon? Non. Okay. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se dit, déjà, il y a plusieurs éléments qui font qu'on va soulager un peu notre conscience. C'est qu'on n'est jamais seul dans cette situation-là. Nos concurrents directs, très souvent, on sait qu'ils ont plus de 50% de chances d'être dans la même situation que nous. Donc tout le monde se dope? Il y en a beaucoup, en tout cas, qui se dopent. On ne sait pas qui exactement, ça dépend des équipes. Mais quand on se retrouve dans cette situation-là, déjà, on se dit, on est au moins à égalité avec certains. Et c'est vrai qu'on peut avoir un petit ressentiment, un peu de remords, mais je vous dis personnellement, j'arrive à moduler ma conscience assez facilement. Et quand on voit le succès que l'on a, quand on voit la victoire qu'on a réussi à avoir, et puis l'engouement, la joie de nos supporters, ben je peux vous assurer qu'on se sent très bien. D'accord, donc vous avez été contrôlé positif, vous avez été disqualifié, vous avez perdu votre titre, votre nom a été sali. Finalement, vous êtes vu comme un tricheur, un dopé. Alors, vous en voulez d'avoir été pris ou de vous être dopé? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, c'est sûr que quand on commence à prendre conscience des conséquences de cet acte, et d'avoir été pris, c'est sûr qu'on regrette forcément d'avoir été pris. Là, on sait que même quelles que soient les courses qu'on avait déjà pu gagner auparavant, quels que soient les titres qu'on avait déjà pu remporter sans dopage, on sait très bien qu'on sera tout de suite étiqueté. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez invité à cette émission. Oui, vous ne m'avez pas invité avant, alors que j'avais fait plein de choses sans m'être dopé.
Et ça y est, on a une étiquette qui se colle à notre peau et tout le monde nous pointe du doigt, comme vous avez fait avec tous mes collègues, Marion Jones et compagnie. On a une étiquette de tricheur, de voleur, de menteur. Et vous l'assumez comment tout ça? Et votre coach, votre carrière finalement, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ben là, la carrière s'est forcément achevée parce que déjà il y a plusieurs années à pied. Enfin, le dopage arrive en plus à un moment où on sent justement que la condition physique naturelle que l'on a commence un peu à diminuer. Et donc, forcément, pour moi, ça a marqué la fin de carrière parce que là, il y a des plus jeunes qui rentrent. Ils auront certainement des méthodes peut-être naturelles qui seront assez efficaces, qui vont leur permettre d'accéder à un certain niveau. Ou peut-être également des méthodes de dopage qui vont leur permettre d'être beaucoup mieux préparés que moi. Donc, d'accord. Du coup, moi, c'était la fin de la carrière. Alors, vous avez parlé des coachs. La difficulté, c'est que après cette situation, eh bien, on se rend compte qu'on n'était qu'un pion, en fait, dans tout un processus qui visait à amener certaines personnes à la victoire pour en faire un produit publicitaire, carrément. Donc, vous dites que vous êtes victime d'une machination, c'est bien ça? Alors, je ne pourrais pas le dire comme ça, parce que j'ai pris des... Vous avez quand même... J'assume quand même mes actes. Où est votre libre arbitre dans tout ça? J'assume mes actes, et quand je l'ai fait, j'étais conscient de ce que je faisais. Donc, je ne pourrais pas dire que je suis victime d'une machination, mais j'ai l'impression que, en fait, cette situation a commencé bien avant. D'accord. Et qu'on commence à rentrer dans un engrenage qui va nous amener progressivement à faire certains compromis. Et au fur et à mesure, on va rentrer dans un processus qui va faire qu'on n'aura plus de limites. Et d'accord. Au bout d'un moment, l'inévitable arrive et on continue dans l'engrenage dans lequel on s'est déjà imbriqué. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, on se retrouve dedans. D'accord. Alors, cher public, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez participer à notre départ. N'hésitez pas à lever la main et vous recevrez un micro. Alors, tout de suite, sans plus attendre, nous allons recevoir notre deuxième invité. Il s'agit d'un coach qui a entraîné plusieurs sportifs de haut niveau. Accueillons Monsieur Domi. Applaudissons-le, chers téléspectateurs. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, vous étiez en coulisses et bien évidemment, vous avez entendu le témoignage de M. Clarke. Qu'en pensez-vous en tant que coach? Mais tout d'abord, c'est un sentiment de tristesse parce qu'on se rend compte que malheureusement, avec tous les exemples qu'on a déjà eus par le passé, le problème du dopage demeure. Et c'est un problème qui est récurrent par rapport à cette envie de gagner à tout prix. On fait fi des règles, on ne se met plus à observer les principes de base et on ne respecte plus la loi. Donc en fait, effectivement, c'est un sentiment de tristesse de voir des sportifs de haut niveau, de qualité, qui à un moment donné ratent l'objectif en fait. Oui, mais pourtant il paraît que c'est un coach qui l'a entraîné dans tout ça. Hein? Oui, mais c'est certainement peut-être pas le bon coach. Et d'accord. C'est ce qui est important tout à fait dans le sport, mais aussi dans la course de la vie, c'est que parfois il nous arrive de suivre ou d'écouter les mauvais coachs, les mauvais conseils, d'accord. Qui parfois pour nous pousser au maximum, pour nous pousser à avancer, nous orientent vers une voie ou l'autre, où nous-mêmes, parfois, nous sommes dénigrés, nous sommes abîmés. Et là, la loi ne compte plus, les règles ne comptent plus. Et comme il a expliqué M. Clarke, on finit en fait par créer sa propre loi. D'accord. On finit par créer ses propres règles et c'est tout ce qui compte. Oui. Et alors justement, je vais dans ce sens parce que au-delà des sacrifices que l'on s'impose, des règles que l'on va suivre, on arrive à un point où on a surtout l'impression qu'on arrive par nous-mêmes. Donc on sait exactement quel entraînement il faut pour pouvoir réussir, on sait exactement quelle hygiène de vie il faut qu'on applique, on sait qu'on peut y arriver par nos propres moyens. On sait exactement, là j'ai parlé des coachs, mais les coachs c'est moi qui les choisissais. Donc d'accord. Je savais quel coach était à même de me guider, de m'orienter. Et je faisais apparemment moi-même, non. Je faisais moi-même mes choix en fonction de mes objectifs. Mon objectif il était clair, c'était d'arriver sur la première marche du podium. D'accord. Je ne voulais qu'il y ait aucun autre concurrent direct qui soit devant moi à la position suprême que je visais. Et quand on arrive à ce processus-là, eh bien on fait certains choix, on choisit certains coachs qui vont nous orienter, nous guider. Le seul objectif qui compte à ce moment-là, c'est d'écraser nos adversaires, nos concurrents, pour nous retrouver à la première marche du podium. Alors, vous avez parlé, Monsieur Domi, de règles, de lois. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, cher public? Parfois, c'est difficile d'observer les règles. Est-ce que la loi, est-ce que ce n'est pas un frein à notre plaisir? Un frein à notre liberté, finalement?
Mais justement, pour revenir sur ce que M. Clarke disait, le problème, c'est qu'on finit par vouloir réussir par soi-même, ne plus suivre le conseil d'un coach. Et pour parler de la course de la vie, c'est un petit peu ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, parce qu'Adam et Ève, à un moment donné, ils ont été séduits par le diable. Et c'était quoi la tentation ? Vous serez comme des dieux, vous serez votre propre Dieu. Est-ce mal de vouloir gagner, de vouloir réussir ? Non, c'est tout à fait justifié et justifiable, je dirais, de vouloir réussir et d'arriver au bout. Mais pour revenir à cette notion de coach, il y a un coach suprême par excellence qui est Jésus. Et c'est lui qui nous donne la directive. Maintenant, il y en a certains qui font de la loi le moyen par excellence pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre l'objectif du salut. Or, la loi en elle-même ne peut sauver personne. La loi en elle-même ne peut permettre à personne d'obtenir le salut. La loi sert de miroir, de pédagogue. Elle montre justement les choses à faire, à ne pas faire, afin de pouvoir se diriger vers le salut. Mais la loi n'est pas le salut. Donc, quand on a des sportifs comme ça qui, justement, s'imposent certaines disciplines, voient que ce n'est pas suffisant, ils veulent aller plus loin que la loi. Ils veulent aller plus loin que les règles. Et c'est ce qui, parfois, arrive à certains d'entre nous dans cette course de la vie. C'est qu'on décide à un moment, ben, on va outrepasser les règles. Certaines règles ne sont pas intéressantes, on ne va plus les suivre et on va nous-mêmes fixer nos propres règles. Un peu comme les pharisiens à l'époque d'ailleurs. D'accord. Donc, Monsieur Clarke, vous aussi, vous vous étiez fixé vos propres règles ? Alors, absolument, je m'étais moi-même fixé les règles, mais je pense que le problème venait surtout du fait que j'étais persuadé que par moi-même, en ayant un schéma d'entraînement assez précis, je pouvais y arriver. D'accord. Pour moi, c'était clair. Je m'impose certaines choses, un entraînement, des produits qui vont améliorer mon efficacité et la solution, elle est toute faite. Sauf que je n'avais pas pensé aux conséquences qu'il pouvait y avoir, tant au niveau de la santé qu'au niveau de la culpabilisation, qu'au changement de ma carrière carrément et aux répercussions irréparables qu'il pourrait y avoir également sur mon image. Alors pour aller plus loin dans la réflexion, peut-être pas forcément sur le plan sportif, physique, mais sur le plan spirituel, est-ce que le fait de vouloir utiliser la loi, ou du moins son obéissance, son observation stricte et rigoureuse, dans le but d'atteindre le ciel, ne peut-il pas devenir également un piège ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait éventuellement intervenir, et je vais parler après. Ah oui, allez-y, madame. Oui, on vous écoute ? Oui, moi aussi, je m'écoute. Alors, j'ai entendu votre question, je me suis précipitée sur mon téléphone pour répondre à temps. Il s'agissait de la loi. Donc, à mon avis, la loi révèle les attributs du caractère de Dieu, mais elle nous renseigne aussi sur notre avancement au quotidien. Donc, vous parlez de coach depuis tout à l'heure. D'ailleurs, il y a un coach avec vous. Mais je crois que le meilleur coach, c'est celui qui, pas à pas, peut nous guider, peut nous aiguiller. Et la loi, il me semble, dans sa déclinaison des 10 commandements, est à même de jouer le rôle de miroir, comme disait M. Domi. Merci d'avoir pris votre téléphone et appelé. Donc, que pensez-vous, M. Domi, de ce qui a été dit ? Je rejoins un peu cette auditrice en disant qu'effectivement, à un moment donné, on peut faire de la loi le moyen par excellence pour pouvoir accéder à cette victoire, pour pouvoir accéder au salut. Et le problème, c'est que je peux effectivement prendre les règles de coach. Mais si le coach ne m'accompagne pas, s'il ne s'installe pas une relation entre le coach et le sportif, on aura du mal finalement à accéder à cet objectif. Parce qu'il y a quand même, je pense que M. Clarke est bien placé pour en parler, je dirais qu'il y a quelque part deux courses. Il y a une course avec les différents compétiteurs, mais il y a une course avec soi-même. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je progresse. Et lorsque je suis les règles, mais avec le coach me permet de progresser pas à pas, de ne pas brûler les étapes. Et de ne pas faire en sorte que je devienne quelqu'un de super rigide et carré, négligeant ceux qui sont à côté de moi dans le seul objectif, par ailleurs, de pouvoir accéder à la victoire. D'accord. Alors, dans ce cas, oui, il y a-t-il une autre... Oui, monsieur. Alors, il y a un petit problème. On attend avec patience. Oui, je voulais dire, est-ce qu'il y a toujours des victimes ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des... Non, est-ce qu'il y a toujours des responsables, mais est-ce qu'il n'y a pas des victimes, des gens qui sont innocents et qu'ils ont des projets ? C'est vrai, ils ont des projets de gagner, de vainqueur, mais est-ce qu'ils ne se sont pas fait piéger quelquefois,
par des coachs, par des gens qui veulent qu'ils arrivent et qu'eux, ils sont peut-être un petit peu innocents, quoi. Ils ne savent pas dans quelle situation ils se sont mis. Et ils ont un projet de gagner, mais est-ce qu'ils ne sont pas des fois victimes quand même? D'accord, merci monsieur. Alors, monsieur Clarky, vous avez entendu cette question? Absolument. Alors, je rejoins tout à fait l'auditeur qui a fait son intervention. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a parfois le sentiment d'être carrément dans un engrenage et de ne plus pouvoir en sortir. Être manipulé. On est manipulé d'une certaine façon parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont nous pousser et nous faire miroiter certaines choses. D'où l'intérêt, et je comprends à travers ce plateau... Mais est-on innocent? Je comprends à travers ce plateau que le choix du coach est absolument fondamental. Parce que si on se retrouve à être orienté, à être conseillé par de mauvaises personnes... on se retrouve complètement à ne plus faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal et avoir le sentiment que c'est pour notre bien-être. Et en réalité, lorsqu'on arrive à un point auquel je suis arrivé et qu'on goûte aux conséquences véritables de la transgression des règles, parce qu'il n'y a pas que les règles d'entraînement, il y a aussi les règles de la course qu'il faut respecter. Il faut courir de façon juste avec les autres concurrents, avec ses capacités individuelles. Et bien, on se rend compte que finalement... tout ce qui nous poussait n'était pas du tout favorable à notre bien-être. D'accord, donc si j'ai bien compris, il y a une espèce d'espace flou où on ne sait plus distinguer le bien et le mal. C'est ça que vous disiez? Il y a une autre intervention? Toujours la même, je profite. Oui, madame. De la ligne ouverte. Alors, je voudrais réagir concernant l'intervention de l'auditeur, en ce sens qu'il n'y a pas que des victimes et il n'y a pas que des... Alors, c'était victime et responsable. Mm-hmm. En fait, il y a des gens qui font des choix en tout état de cause. Et il faudrait que ce coach, qu'est la loi, puisse avoir notre adhésion. On est dans une pleine responsabilité. Monsieur Clark qui disait tout à l'heure que ces coachs l'avaient poussé vers le dopage. Mais je crois que la loi de Dieu, au contraire, elle sert de garde-fou et non culpabilisante en plus. Elle nous oriente et elle nous ramène sur la bonne voie. D'accord. Alors pour reprendre un petit peu ce que l'auditrice vient de souligner, je vais prendre l'exemple du permis de conduire. Okay. Une fois qu'on passe l'examen, on a ce permis. Mm-hmm. Donc on pourrait se dire qu'une fois le permis en poche, on n'a plus besoin d'observer le code de la route. Or, bien au contraire, le code de la route m'a permis, son appréhension en tout cas, m'a permis d'accéder à ce papier rose, mais une fois que je l'ai, je me mets à observer le code de la route, non pas pour avoir le permis, mais parce que je l'ai. Et pour parce le que garder, je comprends, surtout. Oui, aussi pour le garder. Mais parce que je comprends que observer le code de la route me permettra d'être en sécurité, moi, de permettre à l'autre de rouler en sécurité et ensemble qu'on puisse évoluer. Donc je crois que cette notion de règle devient importante et fondamentale, mais pour cela, il faut comprendre le bien fondé. Tout à l'heure, M. Clark parlait des personnes qui étaient mal intentionnées. Si effectivement je me mets à observer les règles pour faire plaisir aux autres qui sont autour de moi, si je me mets à observer les règles simplement parce que si je ne le fais pas, on va me juger, ben je le fais par contrainte. Alors que je devrais pouvoir comprendre le bien fondé, mon bien-être avec l'autre et mon bien-être avec Dieu. D'accord. Donc en gros, l'obéissance à la loi stricte, l'observation des commandements ne sauve pas, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et je vais prendre une autre image qui est le miroir. Lorsque ce matin je me suis regardé, que j'ai vu que ma chemise était mal boutonnée, le miroir m'a effectivement montré que la chemise était mal boutonnée, mais le miroir n'a pas boutonné la chemise pour moi. Okay. Donc effectivement, la loi me permet de voir que ça ne va pas, mais elle ne me transforme pas. Ce n'est que le coach, avec cette relation que je peux établir avec lui, ce n'est que le coach par excellence qui, par sa grâce, me permettra au fur et à mesure de m'améliorer et d'accéder à cette victoire finale. D'accord. Donc votre coach suprême, vous pourriez le renommer, s'il vous plaît? Mon coach suprême, c'est Jésus. Je suis moi-même coach, mais je crois que le coach suprême, c'est Jésus. Pourquoi c'est le coach suprême? Premièrement, parce que c'est lui qui a fait cette première course à ma place. Et donc, quels que soient les mérites que je pourrais m'attribuer par rapport au fait que j'ai pu un jour ou pas respecter la loi, je ne pourrais jamais faire toute cette vie en respectant cette loi. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu. Et ce n'est que par ses mérites que je peux effectivement accéder à la victoire. Parce que je vais me mettre peut-être aujourd'hui à observer, mais demain, je vais peut-être chuter ou je vais peut-être observer aujourd'hui un commandement et pas les autres. Cela veut dire que de moi-même, oui, effectivement, il faut être observateur de la loi.
Oui, il faut obéir à cette loi, mais cette loi ne peut pas me sauver, parce que cette loi n'est qu'un miroir, n'est qu'un pédagogue qui me montre le chemin à suivre. Mais ce n'est que par les mérites du coach par excellence, par les mérites du sacrifice de Jésus, que je puisse accéder à la victoire. Alors, oui, et votre coach par excellence, il aurait un plan de carrière pour moi à l'heure actuelle? Ah oui. Tout à fait, et c'est un petit peu ce qui est merveilleux avec lui. C'est qu'aujourd'hui, peut-être au regard des autres, vous êtes déchu, vous êtes banni, vous êtes considéré comme dopé. Vous êtes quelqu'un qui peut-être est surnommé de tricheur, de voleur. Peut-être effectivement que l'animatrice vous a traité ainsi. Mais ce coach par excellence nous offre quelque chose d'extraordinaire qui est la grâce. Il nous permet à travers la grâce de pouvoir recommencer chaque jour un nouveau départ. Il nous offre la possibilité d'avoir un nouveau commencement, d'avoir une seconde chance. Parce qu'en fait, il a justement participé à cette course pour pouvoir, lorsque les accusateurs, et l'accusateur par excellence, le diable, vient pour nous dire « Oui, mais regarde, il n'est pas bien parce qu'il a... il a chuté, il n'a pas atteint l'objectif », pour lui dire « C'est vrai, mais il m'a accepté en tant que coach, je collabore avec lui, j'ai pris la responsabilité de ses actes, il m'a confessé ses fautes et aujourd'hui on avance et il est un coureur tout neuf. » Donc ce coach suprême, Jésus, vous offre la grâce d'être à nouveau un coureur blanchi, un coureur qui n'a jamais été dopé, un coureur qui n'a jamais raté parce que vous avez accepté qu'il soit votre coach suprême. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, je pense que vous avez compris, Monsieur Clarky. Oui, il y a une autre. Alors, oui, oui, encore et toujours. Je vous rassure, Monsieur Clarky, vous passez très bien à l'écran et on ne voit nullement d'étiquette dopeur-tricheur. En revanche, je crois qu'on perçoit chez vous cette volonté de faire mieux qui peut être communicative. Je crois que quand on est tombé bien bas, très bas, quand on est raclure de caniveau, on peut aider les autres et on peut, par son expérience, réorienter. On peut être des coachs relais aussi. Ah, voici votre nouveau plan de carrière. Coach relais, aider ceux qui sont tombés bien bas. Ça vous va? Tout à fait. Je pense que je vais m'y atteler autant que ma première carrière. Et j'aimerais rajouter qu'on a aussi également tendance à comprendre gagner à tout prix, être sauvé à tout prix, et à faire passer justement l'observation de la loi comme quelque chose de rigide. Mais le commandement que Jésus a donné, c'est pas observer mes commandements pour être sauvé, mais c'est si vous m'aimez, gardez mes commandements. Cela veut dire que c'est par amour qu'on se met à observer les commandements. C'est par amour pour Dieu, premièrement, et par amour pour soi. Parce qu'on comprend effectivement que même si cette loi ne nous sauve pas, mais cette loi contribue à notre bonheur ici-bas et nous prépare déjà un bonheur futur et éternel. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je terminerai par cette citation de Paul dans Philippiens 3, versets 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter la victoire, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Alors, merci beaucoup, hein. Merci, Monsieur Domi, Monsieur Clarky. Et puis, pour répondre à notre question, oui, gagner à tout prix. Oui, mais c'est au prix du sang de Jésus que nous pouvons gagner. Alors, je vous laisse et à une prochaine émission. 37 minutes au cœur du sport. Au revoir. Au revoir. C'est dur de faire.
sais où aller, le chemin si incertain, mais je marche par la foi, car tu m'as fait la promesse, un jour tu seras là. Tu es là, mon cœur veut toujours te suivre. Nous remercions Hulda pour ce très beau chant. Nous avions donc normalement notre moment avec le vainqueur de la matinée et non de la soirée. Mes petits soucis techniques, Azaël, qui nous oblige à le recevoir très certainement demain soir lors de notre rendez-vous avec Monsieur Abel Marquez pour parler réseaux sociaux et notamment Facebook. Par contre, on insiste,
Demain, nous serons présents à 19h et non pas 20h. Si vous arrivez à 20h, vous serez peut-être vraiment trop tard. Autre salutation que nous devons faire, c'est à la division interaméricaine qui nous regarde depuis l'auditorium des bureaux de la division. Nous voulons vous saluer ici en direct de l'église adventiste de Salem à Rémire-Montjoly en Guyane. Voilà, pour donner l'information. On vous l'a dit hier soir aussi, on veut donner un autre rendez-vous à Zaël pour rester dans le format, de la gagne attitude, puisque nous voulons que nos équipes restent au pied d'œuvre pour garder les réflexes de ce beau produit qu'est la vidéoprojection et la retransmission par Internet. Tout à fait. Et donc nous vous donnons rendez-vous. Mercredi 28 mai, gardez cette date en mémoire, mercredi 28 mai, aucune excuse puisque c'est un jour, une veille de jour férié et nous aurons la joie d'accueillir un jeune ou une jeune dans la lignée de notre Candy, puisque c'est le mois des jeunes et ça sera donc ce jeune ou cette jeune qui aura à tenir donc le message de la gagne attitude. Ça sera le mercredi 28 mai. Nous garderons l'horaire traditionnel de Gagne avec Jésus. Ça sera à 20h pour laisser une heure de préparation toujours à nos équipes techniques. Et on le rappelle que le lendemain, d'ailleurs, ça sera férié. Donc, restez connectés via le réseau social Facebook, puisque nous avons la page Gagne avec Jésus qui est toujours d'actualité. Sera toujours activée. Et donc, vous pourrez avoir cette information ou via les informations de du bureau de la mission adventiste de la Guyane, ou encore via la 97.7 Radio Joie de Vivre. Et nous remercions d'ailleurs l'équipe 72 minutes chrono qui nous a permis de partager l'étude du jour avec la présence notamment de Maya, Dominique Flamand et puis Evans aussi qui était au sein du public qu'on a pu avoir comme intervention. Voilà, donc retenez bien cette date, ça s'affiche à l'écran en même temps et vous pouvez, vous savez, avec la technologie, rentrer ça dans vos supports numériques. Voilà, en attendant la deuxième partie de notre programmation, pour recevoir aussi notre oratrice, on vous propose une belle page musicale avec, encore une fois, notre cœur des vainqueurs. Notre cœur, vous entendre chanter, louer et exalter le roi des rois. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Il fait pas trop chaud? Non, ça va? C'est chaud, moi j'ai quelque chose pour vous. Vous voulez savoir ce que c'est? Oui ou non? Eh bien, nous allons louer tout simplement, n'est-ce pas? Et j'aimerais savoir qui est content d'être dans la maison de Dieu ce matin. Ah, j'aime voir ça, des bouquets de mains. Vous avez déjà vu ça? C'est pas mal. Alors, nous allons le prendre, ce chant qui dit « Moi, je suis dans la joie quand on me dit… » Moi, je suis dans la joie quand on me dit… » Exactement, c'est exactement le chant que nous allons chanter. Et j'aimerais vous entendre. Je croyais qu'il ne faisait pas assez chaud et je vois beaucoup de personnes se vanter. Alors, on va ramener de la fraîcheur dans l'église. Nous pouvons taper des mains car c'est… Aujourd'hui, le jour du sabbat, où nous venons dans la maison de Dieu le louer, l'adorer. On y va? Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Seul moi
ça dans la maison du Seigneur. Moi, je suis dans la joie quand on me dit. Pourquoi? Car là sont réunis mes frères et mes amis. Oh oui, tous les gens que j'aime, ceux qui m'aiment, c'est ici que je suis bien. Ici que je suis bien, moi, je suis dans la joie. Combien Dieu m'aime, combien Dieu aime chacune des personnes ici présentes, combien Dieu aime chacun des vainqueurs que nous sommes. J'aime poser cette question. Y a-t-il des vainqueurs dans l'église ce matin? Y a-t-il des vainqueurs dans l'église ce matin? C'est pour ça que je n'ai personne comme Jésus, je n'ai que toi dans le ciel. Franchement, en tant que vainqueur, nous n'avons besoin que d'une seule personne, le plus grand des vainqueurs, le plus grand des coachs, celui qui nous entraîne tous les jours. Oh, c'est Dieu tout simplement, n'est-ce pas? On y va? Je n'ai que toi. Je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Vous faites une magnifique chorale, c'est pour ça que je veux vous entendre encore tout seul ensemble. Et oui, il est notre plus grand bien. Près de Dieu, près du grand coach, nous sommes bien. Une dernière fois. Plus grand.
Bien près de Jésus ce matin? Est-ce que vous vous sentez bien avec le coach sportif le plus célèbre du monde et du univers ce matin? Alors si c'est cela, je vous invite à applaudir Dieu ce matin. Nous vous laissons, mais nous n'allons pas car nous devons aujourd'hui donner tout ce qu'il y a dans notre cœur à Dieu, toute la louange que nous avons contenue pendant la semaine, eh bien nous allons nous lâcher ce matin pour l'adorer et le louer. Nous allons nous mettre debout et nous allons entonner notre chant thème. Nombreux sont ceux qui luttent pour gagner l'argent, l'or et les honneurs terrestres. Leurs victoires ne sont qu'éphémères. Rapidement se lève le jour où d'autres les surpasseront. Mais il existe de vrais qui combattent le roi des rois. Lutte la vie, s'agenouillent sans jamais faiblir, engageons la bataille. Nous soupirons après la gloire, une couronne et une robe de valeur de Jésus, notre chef guide. On ne prend jamais, si que soit l'étude de gloire, nous triompherons. Tu notre divin roi, la couronne nul ne peut l'obtenir, sans avoir d'abord porté sa croix. On est fort de gagner, gagne encore. Avec Jésus, le divin roi, la couronne nul ne peut sans emporter sa croix. De gagner, gagne encore, gagne toujours.